Hey, salutations les amis, j'espère que vous allez bien pour l'épisode 5 de Fallout 4, j'espère que vous êtes chaud. On va essayer de maintenir l'intro l'outro comme vous avez dit que vous aimez bien. Et bien écoutez, bon épisode, je pense qu'il vous plaira. Et n'hésitez pas à mettre un pouce si la vidéo vous plaît, ciao ciao. On s'approchait de plus en plus de Diamond City, et dès qu'on arrive, une demoiselle crie à l'aide. Du coup bah, on va la secourir. Elle va mourir, elle a besoin d'aide. Trouver une armure assistée pour pouvoir utiliser ce pose de modification. Ouais bah les couilles. Pourquoi c'est si long? Je suis sûr d'avoir vu quelqu'un dehors. Ça avait l'air d'être une bonne cible. Boucle-la un peu et attends. T'inquiète, j'arrive, mon pote. On va le calmer, hein. Je vais te trouver. Ah bah c'est plus facile du coup. Merci les mecs, oh putain. Ça va être beaucoup plus simple. Ah, tête de mort. Mauvais signe ça. C'est vrai que c'est un vilain lui. Il m'a pété le bras le bâtard. Ouais, ça passe... Oh, ça passe pas en fait. Ça passe pas putain. 36 XP, pas mal. Allez, dis-moi que tu m'as fini une bonne arme quand même. Pot de peinture. Non, c'est pas la demoiselle hein. C'est pire. Alors, ouvrir le frigo, non, y'a rien du tout. Ok, du coup, la minette elle est où là du coup? La minette qui criait au secours là. Je crois en fait je l'ai complètement abandonnée en fait. Oh tant pis, hein. Elle avait qu'à crier plus fort. Alors. La demoiselle en galère était en fait un piège pour attirer les esprits faibles. Évidemment, je suis pas tombé dedans, non pas du tout. Avançons. Logique, hein. Je suis sur un poteau comme ça au calme. Ah, est-ce que c'est gentil ou pas? Garde de la carte de caravane. Ah merde, j'appuie sur Alt. Ah, il m'a vu. Ah, y'a un mec qui est... Ah, y'a un mec en tête de mort. Ça veut dire 32 XP, ça. C'est worse. Bah, les mitrailleuses MK1, quoi. Pff, ça, c'est la crise, bon. Allez, je rentre. Hop. Ah, expert. Ah oui. Ah oui. Ah oui, ça, c'est moins marrant, par contre. Et on va le faire, on va le faire. Ça y est. Et boum, 17 d'XP mon pote. Attends, c'est un gentil ou c'est un méchant au final? C'est un gentil lui on dirait, non? Ah oui, c'est un gentil. Je t'ai bolos. Alors plus on attend qu'ils meurent tous, comme ça vraiment on leur dit. Bon, je crois que je suis le petit bouffo. Escalier, ouais parfait, il est derrière. Espèce d'enflure, rends-toi. Pote. Il avait un peu le truc. Un pillard enragé. Oh merde, non putain, non. Non 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 non. Elle m'arrête. Je vois rien putain. Mais non. Putain, j'ai pas pu me cacher. Faites place. Pillard enragé. Oula. Oh elle aime bien ça. 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 Par contre, s'il me KS, je suis vénère. Hein. Qu'est-ce qu'elle me dit tout? Hop. Faites gaffe, y'a du grabuge. Et voilà. Boum, 49 d'XP en pote. Mieux fait filer. Comment ça? Faire les poches? Ah. Ah. Bon, on les a quand même aidés, c'est l'attaque, c'est normal. Des balles, ça me va, hop. Et toi t'as quoi? Clé de l'impasse. Oh, ah, ce n'est plus une impasse maintenant. Bienvenue. Oh, ça fait plaisir ça, on s'est mis bien mine de rien. On s'est mis grave bien là, de ouf. Elle m'a dit quoi là? D'accord. Elle m'a bolossé ou quoi? Oh, génial. Allons foutre le bordel. Oh putain, mais elle a pris du shit ou quoi? Enfin, la meuf elle est... Ah ouais. What? Oh mec, elle a tout le stuff du monde. Ah là. Alors si on parle ma langue. Putain mec, elle a tout le stuff de la terre. En vrai là, bon c'est dans la vraie vie. Je pense, j'adore qu'ils s'éliminent entre eux et je tue le mec qui reste. Faut pas être con. Faut pas être con. Dans la rue, tu vas pas les aider. Tu vas attendre qu'elle ait trade kill. Et quand elle trade kill, tu finis le dernier. Et tu récupères le magot. Normal. Oh. Oh. La sulfateuse. Bon, ça coûte 2000, hein. Ça coûte 2000. Ça coûte 2600. En vrai, pareil, hein. Tu mets une petite bastos, hein. Les balles explosent à l'impact et infligent 15 points de dégâts de zone. What the
fuck? C'est la ça? Balle de 45. Putain, j'aurais dû la laisser crever quoi, sérieux. J'ai envie de la buter, tu sais quoi, j'ai envie de la tuer maintenant. C'est des bacs. Ah bah tiens, ton matos. Oh, si, ça a rien passé, ça a passé, y'a un petit problème. Hein. Oh, les méchants sont revenus. Oh, les vieux pillards, non. Oh, je le protège, mais malheureusement, non, il va pas survivre. Oh, il est tombé. Oh, pas de chance. Quel dommage. Alors. Oh, ah. Oh, quel dommage, les gars. Pff, oh putain, j'ai pas pu vous protéger, je suis désolé. Pas de chance. Attends, mais tu. C'est peut-être fini. Ah ouais, on va me tuer. On va me tuer du coup. Ils ont cru que c'était moi. Ah bah d'accord. Ah bah voilà, tout de suite les grands mots. Ça, c'est méchant quand même. Alors, moi, j'aide mes collègues, j'aide mes collaborateurs. Ah ouais, toi, t'es vraiment balèze. T'as voulu me tuer avec des coups de poing. Hein. À distance. Ah ouais, donc là, le respect quand même. Oh putain, ils se sont fait. Ah, ils ont pas eu de chance, ils sont tombés sur des crapules. Hein. Ah, ils sont tombés sur. Y'a plus de karma, mon pote. Y'a plus de karma, du coup, voilà, mon clic gauche a ripé. Bah, c'est la taxe, bah oui. Ah, tu sauves quelqu'un, il t'aide pas. Tu sauves quelqu'un, il donne pas d'argent. C'est pas normal. Au bout d'un moment, on est obligé de remettre un peu le respect. On n'est pas non plus derrière Teresa, hein. C'est le chaos, les gars. Hein. Les enfants. On est en cours post-apocalyptique. Vous tuez un marchand qui a donc une sulfateuse à 3000 balles. Et quand vous la tuez, elle n'a plus que des cure-dents. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que le jeu n'est pas réaliste. Pourquoi, quand je bute quelqu'un qui a une sulfateuse, je récupère pas l'arme? Non, c'est de la triche. Ah, ils ont pas eu de chance, hein, ils ont pas eu de chance. Bah non. Alors, bon, je charge, c'est bon, je laisse partir. Moi, c'est semi-auto ou rien. Moi, c'est les armes au coup par coup, balle par balle. Moi, je suis un poker hein, sur CSGO, je fous jamais. Un garde de Diamond City. Ah, je suis Diamond City. Bah voilà, on est arrivé au final. Salut. Pardon. Vous cherchez Diamond City? Il suffit de suivre les panneaux. Il suffit de suivre les panneaux. Et bah voilà, on y est. Bienvenue les copains. Novice. Je suis devenu maintenant un expert. Ça s'est mal passé. Je suis maintenant devenu un expert, je disais. C'est bon. Centrale de police 8. Oula, ah oui. Il y a des cafards au centrale de police. Ça donne envie, hein. Oh bâtard, non. Un cafard radioactif. Attends, non. Il m'a piqué mon XP. Oh, ils ont vu le diamant pour l'instant. Merde, c'était quoi ça? Oh merde. Ah, c'est des méchants en fait. Ah, je croyais qu'il y avait que des gentils maintenant. Ah oui. J'ai hâte d'avoir un silencieux, les gars. Pardon, excuse-moi. Non, arrête de bouger. Putain, quand j'aurai un silencieux, je pourrais les baiser alors qu'ils auront même pas capté quoi. Non. Bah oui. Bah oui. Mais mec, c'est de l'abus. Ah oui, bah clairement, t'as pris un merde de balle dans la tête. Ah oui, c'est bien fait, hein. Et voilà, ça m'a coûté 40€ de te buter, putain. Aïe. Mais à quelle heure? C'est pas Diamond City, ça, bro. Ah, d'accord, ok, je me disais quand même. Ça a l'air un peu pourri quand même. Tu vois, il y a marqué garde Diamond City, du coup je me dis bon, il garde Diamond City, puisque c'est un garde de Diamond City. Après, j'avoue, c'était pas logique. Un garde de Diamond City en général, il cover pas Diamond City. Le pire. C'est quoi, toi, lui, je le bolosse avec un coup de. Avec un coup... Ça sent l'embuscade à plein nez. Ah, ça sent l'embuscade là, je te dis. Hein. Tiens, regarde. Ah, ouais, super. Oh là, on s'en va. Par contre, il tank de ouf, l'autre. Hein. Après, il me reste 23 XP, donc c'est pas mal. Ah oui, t'es bien là, vas-y, reste comme ça. Oh, c'est bien, oh, c'est très bien ça. Oh, tu bouges très bien ça. Hein. Oh, tu bouges très bien. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, il prend pas 8, 9 balles dans la tête, c'est ça qui est cool. Attends, viens, mec. Avec une clé anglaise comme ça. Non. Oh putain. Je viens d'Angleterre, mais quand même, alors. Ah oui, t'es quand même la meuf. Je vois, donc elle a un banc devant elle, et du coup, elle est obligée de faire un saut à la Yamakasi, tu sais. Elle a cru que c'était un parcours, tu sais. La meuf qui fait du parcours avec une chaise devant elle quoi, au calme. Ouais. Attends. Mais mec. What? Non, baise là. On économise des balles les gars, y'a pas petit profit. Ok, je rigole. Sous-vêtements longs. Putain, ouais, c'est pas des sous-vêtements hein, c'est carrément. Alors les gars, petit tuto hein. Petit tuto Fallout. Apparemment, les sous-vêtements, c'est tout ça. Bon, elle est moins. Bon, c'est une crevette, hein.
tout se mange sauf la tête. Pour le coup là c'est le cas de le dire. Alors, on s'en va. Oh non, ma vie c'est de la merde. Ma vie c'est de la merde. Oh putain. Putain, ça vie c'est... Alors, bah vous savez quoi, je pense que je vais prendre les trucs des matériaux recyclés. Pour essayer de stacker les matériaux en recyclant davantage de trucs. Parce qu'on a vu en gros qu'il fallait payer les munitions balle par balle. Clairement ça fait mal au cul. Alors tu m'as dit dans le parc. Donc là dedans il y aurait apparemment un truc vilain. Oh mec. Oh mec c'est insane. Oh mec c'est insane. C'est quoi cette merde? Oh je peux le tuer, je peux le tuer. Wow. Wow wow wow, je suis sec. Oula Swan. Un amour de Swan. Fuyons. Ok. Putain, 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 putain. Ah. Oh, please step. Please. Ok. Allez, j'ai du tank, 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 tank. Bah oui, ma dernière distance, toi. Oh le respect quoi. What? Ok. Tire dessus. Ah bah oui, je m'en suis douté. J'aurais trouvé tout seul. Oh putain sa mère, je lui ai mis masse balle mais il prend pas de damage le bordel. Bon ça doit être une quête. J'imagine. Parce que un mec comme ça dans le truc, ça s'est mal passé quoi. Oh la vache quoi putain. Oh la vache. Il est vilain lui hein. Oh, il est sacrément vilain quoi. On va pas y aller hein. On ira là plus tard. À ce moment là je décide de vendre mon stuff, de rejoindre Sanctuary pour aider un petit peu la colonie avant de revenir baiser Swan. Alors les lits. Et voilà, on dort à la bonne franquette. Je suis pas le dirigeant le plus cool de la Terre. Avoir un endroit où dormir. J'adore mon look. C'est une source. Je trouve énorme. Ah voilà mec. Ah là, je pense qu'ils estiment qu'ils ont de la chance hein. Et je décide de rendre la quête du Paladin Dance pour empocher un maximum d'XP avec la confrérie de l'acier. Hélène, voilà. Rhys, je souhaitais la bienvenue à la nouvelle recrue de l'unité de... Merci les copains. Il a déjà fait ses preuves sur le terrain. Ah, j'étais beaucoup trop chaud. Si je suis bien aux enseignements, je... Ils ont tout raté. J'ai tué pratiquement personne, mais je l'ai encouragé. Je l'ai chauffé, tu vois, donc c'est ça qui compte. Je pensais que vous alliez juste empocher votre récompense et faire vos adieux. Oh quel fils de pute. Alors toi tu vas commencer à baisser d'un ton tout de suite hein. Sarcastique, ça ne vous plaît pas, rien à prouver, Vous voulez un gros câlin pour faire la paix? Vous pouvez jouer les durs tant oh que là vous ne vous prendra pas. On lui met la pression. Plus qu'une seule petite mission pour m'impressionner. Oh là là là. Ça suffit. Alors Rhys, tu vas prendre une bastos hein. Travailler ensemble, que ça vous plaise. Si à un moment malheureusement Rhys passe devant moi, comprendre ce que rejoindre la confrérie implique. Est-ce qu'on mettrait pas la pression? Allez, c'est tout. Je pensais mériter mieux que ça. Conscrit. Ne vous méprenez pas, ça ne reflète aucunement vos compétences. Allez. Tout le monde commence au grade de conscrit, c'est comme ça. Toute sa vie même. Rien d'autre ne compte pour lui. Et si quelque chose pas mon look. Le gêne, il le pousse hors de son chemin. Peut-être bien. Quelque chose entre vous. Oh là là, oh là 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 là. Ça c'est le charisme qui parle. Le charisme des lunettes et du casque de chantier. J'ai senti quelque chose entre vous. N'y aurait-il pas quelque chose entre vous deux? Quand je me suis engagé, c'est Rhys qui a été mon mentor. Il m'a prise sous son aile et il m'a... pas que sous son aile, hein. J'ai cru un moment. Il m'a prise tout court. Alors le petit bâtard là. Alors le petit bâtard là, on va lui péter la gueule. Round 2. Fight. Ok. Time to battle. Ok, merci beaucoup pour ton caillou, hein. C'est un grand plaisir. Franchement, c'est énorme. Fallait pas, hein. Ouais, bah ouais. Tu vas lui faire comparer un super mutant. C'est quoi mec, je pousse soit dans les super mutants et boum, je le baisse comme ça. Ah. Ah. Ah putain. Ah la flotte de merde. Mec, se protège comme ça. Alors c'est bolos, c'est bolos, c'est bolos, c'est bolos, c'est bolos, c'est bolos. Surprise, motherfucker. Okay. Ma bolos. Ça marche, ça marche. Ça va le faire, 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 ça va le faire. Fatality. Mais quoi? Il m'a OS. Putain c'est Gnar le bordel. En forme de gros Gnar par contre. Casse les couilles. Ouais d'accord.
Ça va le sort ciblé quoi, c'est pas un skill shot ça. Ok 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 ok, on est pas sorti de la berge. Hop. Mais ça va le faire. Alors, je crois en notre victoire. Je crois clairement en notre victoire. Merci pour le caillou, hop. Waouh, mais c'est ciblé. Alors, ah je te baise, ah je veux le ken, ah oh, je sais comment le ken du coup. Hop. Je te mets ta faiblesse mon pote. Alors, on galère. On commence à galérer Swan. Allez. T'as beau être tanky, on va peut-être pas les dégâts, mais on a le brain mon pote. Ok ok ok. On va voir où est-ce qu'il est plus vulnérable. La tête de loin, ok, c'est la tête de loin qui fait plus mal. Énorme hein. Le Svav ça touche jamais hein. Mon Svav ne touche jamais, c'est plus simple que ça. Je fais plus de dégâts en visant quoi donc. Par contre on va faire à checker où est-ce que le mec est plus vulnérable. Hop. Oh là 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 là. Bah Swan. Bah alors Swan. On a eu des problèmes. Mais j'étais bolos. Mais j'étais bolos. Mais j'étais bolos. Oh non. Oh non non. Mais j'ai pas. Sauvegarde. Alors le point assisté. Clairement dans ton cul mon pote. Les dégâts augmentent après chaque coup consécutif sur la même cible. Prendre. C'est récupéré. Hop là. Allez salut Swan hein. A plus tard. Attendez. Attendez, c'était un boss légendaire ça? Lol. Lol. Bon bah écoutez, ça s'est mal passé. GG, bah bien sûr GG. Ça regarde, ça c'est quand je te mets. Ça c'est quand je te mets mon petit point ça. Allez salut. Ah t'es vraiment pas beau par contre hein. Oh putain. Ta maman elle t'a pas raté hein. Et voilà, c'est la fin de l'épisode 5 de Fallout. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez tapé des grosses barres, en tout cas autant que moi. Et donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à checker les vidéos qui arrivent juste après. Ciao ciao. Oh. Par contre attends Nemless, c'est toi qui as eu les deux kills, fils de pute. Ah oui.